Charles III avait toujours continué à voir Camilla Parker Bowles bien même après son mariage avec Lady Diana. La princesse des cœurs, de son côté, avait commencé à se jeter dans les bras d'autres hommes. On prêtait d'ailleurs plusieurs amants à la princesse Diana qui les voyait au palais de Kensington en secret, dont l'acteur James Gilbert. Lady Diana parlait de masturbation et de ses craintes de tomber enceinte avec l'un de ses amants. La princesse des cœurs était connue pour être malheureuse dans son ménage avec Charles III, prince de Galles à l'époque. Lady Diana a épousé celui qui est sorti et qui a continué à fréquenter la vraie élue de son cœur, la reine Camilla, à l'âge de 20 ans et après 13 rendez-vous seulement. La relation extra-conjugale de Charles III et de Camilla Parker Bowles n'était un secret pour personne. Il en est de même pour les amants de la princesse Diana. De son professeur d'équitation James Hewitt, en passant par Philippe Denet, David Kerr à Will Carlin, Oliver Roar ou encore le docteur Anna Kahn, son véritable amour, on prête plusieurs amants à Lady Diana. Les tabloïds lui prêtent également une brève idylle avec l'acteur américain Kevin Costner qu'il avait invité à jouer le rôle de sa protégée dans ce qui aurait pu être le deuxième volet du film Bodyguard. Un autre acteur, James Gilbert, aurait également eu une histoire avec la maman du prince William, 40 ans, et du prince Harry, 38 ans, comme le rapporte Bertrand Meyer Stably dans son ouvrage Charles III le mal-aimé. L'auteur rappelle l'existence de l'enregistrement d'un échange téléphonique entre l'acteur et Lady Di. Les échanges torrides de Lady Di et de James Gilbert prouvent une chose: l'appel avait duré une trentaine de minutes et les deux tourtereaux y parlent de masturbation, déclare Bertrand Meyer Stably. L'acteur James Gilbert appelle la princesse Diana par les doux surnoms chérie et skidjay dans l'appel. Il parle de masturbation et de ses craintes de tomber enceinte, écrit Stably. Lors de l'échange, l'acteur répète à plusieurs reprises qu'il aimait la princesse Diana. Des déclarations auxquelles Lady Di avait rétorqué « Tu es la personne la plus gentille au monde ». Selon certains, dont Lady Colin Campbell, le fait que Diana redoute de tomber enceinte sous-entend que l'acteur et elle couchaient ensemble. À propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ces derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité 13 ans plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. On your own, but yeah.